fasse power aussi. Ah, power. Avec le... Ok. Bienvenue à ce chapitre ultime de notre journée d'études sur la traduction. Peut-être utilise celui-là parce que... Sinon... Utilise l'autre peut-être parce que celui-là il résonne à chaque fois. C'est de la scène. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est le dernier chapitre de notre journée. Et c'est une table ronde, c'est évident. Merci à nos invités d'être présents et parler avec nous. Et justement, le titre de cette journée d'étude sur la traduction, c'est « La traduction, un art polymorphe ». Donc, nous voulions savoir ce que vous pensez de ce... Pas de ce titre, mais... La traduction en tant que... C'est quoi la qualité polymorphe dans la traduction? Et aussi, comme question supplémentaire, traducteur, artisan ou artiste? Vous avez 10 minutes. Je ne sais pas si... Qui veut se lancer? Comme ça, ce sera fait. Moi, comme je le disais ce matin, j'apprécie de travailler avec des anglo-saxons parce qu'on a un peu la même vision du métier, à savoir qu'on a quand même une vision d'artisan. Je me souviens toujours, j'avais vu, c'était à l'époque où il y avait des émissions intéressantes sur le cinéma, sur le service public, où il y avait une vieille interview de John Huston avec un cinéaste, un reporter français qui essayait de lui faire dire tout un tas de choses intelligentes sur le film qu'il était en train de réaliser et d'aller chercher tout un tas de significations. Et John Huston l'arrête immédiatement en disant « Stop, moi je fais des films, je réfléchis pas quand je fais mes films, je fais des films, je filme, j'essaye de faire des bons films, c'est tout. » Et je retrouve un peu ça chez mes auteurs, à savoir que l'idée c'est, ils ont une manière de travailler bien précise, qui est très artisanale quelque part. Et si ça a des qualités littéraires, des qualités artistiques, tant mieux. Mais c'est pas la première recherche, en tout cas, sur, puisque c'est polymorphe, justement, sur en tout cas le secteur sur lequel je travaille. Il n'y a pas de recherche particulière, ni de prétention artistique dans le polar, et encore moins chez les anglo-saxons. Je pense que là, et c'est pour ça qu'un art, c'est un... Je trouve que ça... Oui, la poésie est un art, la traduction de poésie doit en devenir un, mais la traduction du polar, non. Ce qui est important, c'est que les gens lâchent pas le bouquin et qu'ils s'endorment à 3h du matin en se disant « Ah, je garde les 3 dernières pages pour demain parce que j'ai pas envie de terminer, je veux garder la fin, garder le plaisir, mais voilà, après ça va pas plus loin que ça. » Voilà. Bon, c'est mon tour alors. Polymorphe, oui, bien sûr. D'abord parce qu'il y a énormément de modes de pratique et d'expression de la traduction, et que cela s'applique à, je dirais, toute activité de communication humaine, qu'elle soit à visée artistique ou purement pragmatique, informative, et voilà. Donc oui, polymorphe obligatoirement. Après, il existe dans le milieu de la traduction une production industrielle. Ça existe. Quand il faut traiter des volumes de données immenses, d'ailleurs, je dirais que le rêve même de la traduction automatique est alimenté par ce besoin, je dirais, de traduire d'immenses quantités d'informations, mais c'est plutôt informatif, c'est plutôt, voilà, réellement pragmatique, et c'est destiné la plupart du temps à filtrer ensuite les informations intéressantes pour pouvoir retenir celles qui pourraient intéresser. Disons que le rêve de la traduction automatique a été à l'origine alimenté par les besoins de l'espionnage.
de l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence, l'espionnage. Et donc, effectivement, il fallait traduire d'énormes quantités d'informations, si vous voulez, dont très très peu étaient à retenir, donc il fallait arriver à les filtrer, etc. Donc, à l'origine, c'est ça, le besoin. Après, le rêve a continué, bien évidemment, et il n'a jamais abouti à quelque chose de réellement exploitable. La traduction automatique, celle qu'on appelle à l'heure actuelle traduction automatique, nécessite toujours l'intervention d'un humain, que ce soit pour préparer ce qui alimente la traduction automatique ou bien pour corriger ce qui sort des machines. Sinon, l'immense majorité des traducteurs sont surtout des artisans. Et comme tout artisan, je dirais, il y a de tout. Artisan parce qu'ils travaillent vraiment de façon artisanale et non pas industrielle. Ils produisent tout avec plus ou moins de compétences et plus ou moins de bons résultats. Mais c'est un travail artisanal où, effectivement, ce qui compte, c'est surtout les compétences de celui qui fait. C'est un savoir-faire, un savoir et un savoir-faire. Donc la plupart des traducteurs travaillent comme ça, vraiment. Et surtout les travailleurs indépendants, les traducteurs indépendants. Après, je dirais qu'il y en a... Il y a un goût quand même. On ne devient pas traducteur... Parfois, oui, par hasard, je dirais. Mais il y a un attrait dans la traduction. Il faut avoir... Il faut qu'il y ait une patte chez la personne, je dirais, pour pouvoir être modelé traducteur. Il faut que cette patte s'y prête. Et donc, il y a effectivement... Vous êtes devenu traducteur de polar parce que vous aimiez les polars. Et forcément, oui, voilà, c'est ça. Après, il faut le rester. Mais voilà, et beaucoup d'histoires des traducteurs sont faites comme ça. On y arrive un peu par des biais, je dirais, parfois insoupçonnés, mais on y arrive. Et puis après, voilà, parfois on y reste. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on devient artisan de cette pratique de la communication, on y met beaucoup d'amour. Et quand on y met de l'amour, ben on devient petit à petit, on essaye. C'est l'amour au moins du travail bien fait. Et donc, du coup, c'est peut-être des artisans, parmi les artisans, je dirais, beaucoup voudraient au moins que ce soit des artisans d'art. Hein? Donc, effectivement, je pense que, de toute façon, l'image majorité des traducteurs sont des vrais artisans. Alors, sur la distinction entre... artisanat et art, moi j'aurais envie de répondre finalement ni. Parce que ça a à voir avec l'artisanat bien sûr, puisqu'il y a la dimension de travail. Ça a à voir avec l'art parce qu'il y a la dimension d'invention. Mais je crois quand même que dans l'artisanat, il y a quelque chose comme l'obéissance à la règle ou au savoir-faire. Alors que dans le cas de la traduction littéraire ou de poésie, la règle finalement, je pense, ne préexiste pas au cas. La règle est à inventer, enfin il n'y a pas de règle, la solution, la réponse est à inventer à chaque fois. Donc pas artisanat. Et pas art non plus, parce que art finalement je trouve que c'est une espèce de nom oratique assez vide, qui désigne rien de tangible. Alors que la traduction c'est des opérations particulières, le mot traduction je trouve que ça suffit à lui-même, il n'y a besoin ni de le désigner du côté de l'art ni du côté de l'artisanat, c'est une pratique spécifique. Et justement, à propos de l'énorme diversité du champ de la traduction, est-ce qu'il y a, parce que comme Catherine a dit plus tôt aujourd'hui, elle a dit que la profession de traducteur, c'est pas une profession réglementée. Ce qui veut dire que n'importe qui peut se déclarer au jour du lendemain traducteur et se lancer à la traduction, sans avoir un diplôme ou une formation. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous croyez qu'une formation de traducteur est utile, inutile, indispensable, ou c'est quoi le meilleur moyen de se former comme traducteur ? Une formation au sens universitaire ou non ? Je me sens obligé de répondre, puisque j'enseigne dans une formation de traducteur. Pour moi, la réponse est très claire, oui. Une formation universitaire, comme celle qu'on propose, est vraiment ce qui s'adapte le mieux
une préparation à l'exercice du métier. Maintenant, est-ce qu'elle est indispensable ? Non. Non, non. Comme il n'est pas indispensable de faire une formation au métier de l'écriture pour devenir auteur. De la même façon, ce qu'il faut, c'est avoir du talent. Après, il faut savoir l'exprimer. Ce que vous apprend, en fait, une formation, c'est à moins vous tromper par la suite, à moins payer les pots cassés. C'est tout. Mais après, si vous n'avez pas de talent, que vous ne fassiez pas une formation, ça ne va pas changer grand-chose. Il faut l'avoir à la base. Donc, je dirais que c'est une formation, plus qu'autre chose, un garde-fou. C'est une façon d'avancer plus vite. C'est une façon de faire moins d'erreurs et donc d'avoir, de gagner du temps, on va dire, par la suite, de préparer, notamment pour ce qui est du milieu de la traduction, à l'insertion dans le milieu professionnel, en évitant, entre autres, par exemple, de se lancer dans des voies bouchées, ou en étant réaliste, de connaissant à l'avance la difficulté qu'on va rencontrer à se faire une place dans certains marchés, savoir avoir une stratégie professionnelle, c'est-à-dire si on veut vivre de ce métier, savoir qu'il y a des activités qui sont peut-être passionnantes, mais insuffisantes pour nourrir son homme, et qu'il va falloir envisager soit d'autres activités traductionnelles plus alimentaires, soit carrément un métier à côté qui nous permet de faire ce qui nous passionne. Bref, tout ça, au moins, on peut le préparer, de façon à ne pas avoir des déceptions, de ne pas perdre du temps, de ne pas... Mais ça ne veut pas dire qu'on est... Je pense qu'on est mieux armé pour réussir, tout simplement. Mais il faut avoir le talent pour faire les choses. Si je peux. Mais une formation de traducteur, qu'est-ce que ça comprend concrètement ? Il faut comprendre, et c'est un travail de la langue qui va être traduite, c'est un travail sur les formalités de la linguistique. Et qu'est-ce qui compte dans la formation d'un traducteur? Quand c'est fait, ça se fait dans une universitaire ou dans une école de traduction? Ouais, on fait beaucoup de choses. Alors je vais vous dire, de toute façon, le programme est sur le site du CETIM, donc vous pouvez le consulter en détail si vous le souhaitez. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors il y a une partie, on va dire, qui consiste à apprendre les fondamentaux, on va dire, théoriques, comprendre ce que c'est l'activité. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça fait partie, si vous voulez, d'un cours de traductologie. Savoir ce que c'est que traduire, savoir ce que c'est que communiquer, d'abord, de façon à placer son activité dans un contexte que l'on comprend, et qui nous permet de savoir où on va. On va dire ça comme ça. Bon, ça c'est plutôt la partie théorique de la chose. Après, on va vous apprendre la façon de traduire, c'est-à-dire la méthode, les méthodes. Donc une méthodologie de la traduction. On va vous enseigner des outils qui sont quotidiennement, je dirais, utilisés par le traducteur. Il n'y a pas que les méthodes de traduction, mais il y a des outils sur lesquels on s'appuie en permanence. La documentation, par exemple. Se documenter de façon efficace et rapide fait partie du tronc commun des formations. Comme par exemple, également la terminologie, savoir utiliser les outils qui sont, si vous voulez, les briques avec lesquelles on construit les maisons qui sont nos constructions textuelles, elles passent par la terminologie et par des outils comme ça, les connaître, savoir un tout petit peu comment les utiliser au mieux, notamment quand on fait des traductions dans des domaines différents. Le fait de se frotter à des outils spécifiques, les outils, ben, il faut les découvrir et il faut les maîtriser. On a vu ce matin un outil, par exemple, de sous-titrage. Ben, il faut le découvrir et l'utiliser un peu pour savoir l'exploiter si on sous-titre. Mais quand on fait du surtitrage, il y a un outil qui est mieux adapté. Quand on fait de la localisation des logiciels, il y a encore un autre outil. Quand on fait de la traduction, on va dire, de manuels et autres très répétitifs, il y a encore d'autres outils de la traduction. Bref, il y a des outils, donc découvrir les outils, apprendre à les utiliser. Bref, toutes ces choses-là. Et puis, pendant 2 ans, parce que c'est une formation qui dure 2 ans, on est soumis à des regards différents, parfois des professionnels, parfois des enseignants universitaires, mais qui ont un rapport et une expérience de la traduction. Et donc, on a un retour, si vous voulez, sur les pratiques, de façon à s'habituer à montrer à quelqu'un qui peut donner son avis le travail avant qu'il ne soit vraiment... afin d'amener la qualité du travail, je dirais, à un niveau qu'on considère comme pouvant être vendu, commercialisé
et efficace dans un marché du travail. De façon à ce que quand les stagiaires donc, partent en stage, puisqu'ils partent pendant 6 mois, hein, de 3 à 6 mois, soient aptes à prouver dans le milieu réel qu'ils sont capables de traduire comme un traducteur professionnel, sauf que ils ne sont pas encore aussi productifs, ils sont encore beaucoup plus lents, ils sont moins sûrs d'eux-mêmes, etc., etc. Et on le voit, et on le constate systématiquement pendant les 6 mois de stage, si vous voulez, il y a une évolution qui fait que d'une situation initiale où le stagiaire est très peu sûr de lui, il n'a jamais traduit pendant 7 heures d'affilée, par exemple, alors que là, il est dans un contexte où il faut qu'il traduise et qu'il produise pendant 7 heures d'affilée. Ah ben oui, mais c'est comme ça. 7 ou 8, ça dépend des contextes. Et, donc, et ça, pendant 6 mois. Alors, il ne sait même pas s'il en est capable au départ. Vous voyez ? Là, il faut qu'il le prouve. Il faut qu'il prouve qu'il est capable, comme tous ceux qui l'entourent d'ailleurs, parce qu'il est dans une entreprise, de faire la même chose et d'avoir le même rendement. Et donc, au départ, il ne l'a pas, bien évidemment. On lui confie des choses beaucoup plus faciles. On revient vers lui pour faire un point régulièrement. Il a toujours un maître de stage qui normalement contrôle ça, etc. Donc il a un suivi. Et petit à petit, il acquiert de la confiance. Il se rend compte qu'il est à peu près au même niveau que les autres. Bien sûr, il fait moins vite, mais petit à petit, son défi, c'est de gagner en vitesse pour arriver à produire autant que les autres. Et souvent, donc, ils y arrivent. À la fin du stage, ils produisent comme quelqu'un qui pourrait être embauché. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que justement, bien souvent, ils se voient proposer un emploi parce qu'ils ont atteint ce niveau-là. Non seulement de qualité, mais également de rendement. Ce niveau de qualité, il l'avait dès le départ, mais de rendement, il a fallu 6 mois pour l'acquérir. Voilà à quoi sert une formation. Et donc, entre autres, ça permet aussi de rassurer les candidats quant à leur capacité à rentrer dans un marché du travail, c'est-à-dire à vendre leurs compétences à des employeurs potentiels. Ils peuvent dire, oui, je peux le faire, je l'ai prouvé. Je ne sais pas si vous avez des avis. Justement, Benoît et Jean-Marie, qui vous n'êtes pas passé par ce genre de formation pour être traducteur. Alors, pour vous, c'était comment vous vous êtes formé à ce métier? Et en manque de ces stages, de ces périodes de formation, c'était quoi votre parcours pour y arriver? Bah, moi, j'ai été formé par les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler, en fait, à la fois les correcteurs qui se sont penchés sur mes textes, l'éditrice avec laquelle je travaille, et tous les gens aussi à qui je fais lire le travail que j'accomplis et qui... Alors il faut bien les choisir parce que sinon tout le monde trouve toujours ce que vous faites merveilleux quand ce sont des gens qui vous aiment bien. Donc le problème est là, il faut trouver des gens qui sont des vrais amis au sens où ils vont vous dire très exactement ce qui cloche. Et petit à petit, on accumule une expérience comme ceci de savoir, ben, dès le départ, vers où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut éviter, justement. Et c'est comme ça qu'on devient aussi plus efficace. Mais c'est vrai que quand on y vient par hasard, moi je pense que j'ai perdu pas mal de temps au début à cause de ça aussi, parce que j'avais pas certaines de ces clés-là. Ensuite, ça dépend aussi de la curiosité intellectuelle qu'on a à titre personnel. Et si on est très satisfait de soi-même dès le début, ou si on est éternellement insatisfait et qu'on a envie aussi de s'améliorer, de comprendre comment font les autres. Parce que c'est un métier solitaire aussi. Donc c'est pas... Alors ça a l'avantage, on peut travailler en peignoir jusqu'à 6 heures du soir, rester pas coiffé. Mais ça a aussi le désavantage de... Ben, on est seul, et tant qu'on n'a pas la possibilité de se confronter à des gens qui font la même chose, c'est très difficile d'avancer. Et d'autant plus que bah, y a beaucoup de traducteurs qui travaillent seuls aussi. Enfin, c'est un peu un métier de solitaire, hein, notamment en tout cas dans l'édition. Donc c'est pas évident de se croiser et de pouvoir échanger sur ce genre de sujet.
Mais l'autre pendant de l'existence des formations, ce que je trouve bien, et on en discutait un peu, c'est que, par exemple, il y a eu des époques où ces formations-là n'existaient pas, et je pense que même pour ceux qui sont traducteurs depuis longtemps, ceux qui participent à ces formations-là et qui interviennent et qui doivent former des jeunes, eux aussi, ça les aide. Ça, j'en suis convaincu. Moi, j'ai fait 20 ans d'édition avant d'enseigner dans les formations à l'édition de l'université, et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à mieux comprendre mon métier, à mieux comprendre ce que j'y faisais depuis de nombreuses années, et à comprendre ce qui était des évidences, qu'on m'avait apprises comme étant des évidences, pourquoi on fait ces choses-là, et quel est leur fondement. Et je pense que c'est bien aussi que ces formations existent, même pour les anciens, pour les aider aussi à formaliser, à comprendre un peu mieux leur propre métier. Voilà. Oui, sur la formation en général, je pense surtout que le luxe et l'intérêt d'une formation, c'est de mettre en place un espace-temps dédié à une activité, quelle qu'elle soit. Si on est, à partir du moment où on travaille 7-8 heures par jour à une pratique, que ce soit traducteur, on en vient à maîtriser la chose, on en vient à faire des progrès, et donc voilà, c'est la formalisation finalement dans l'espace-temps d'une activité, et en cela c'est déterminant. Dans mon propre cas, j'ai pas eu de formation, je dirais même que je suis devenu traducteur sans le savoir, enfin, je suis devenu traducteur finalement après coup, c'est peut-être seulement depuis, je sais pas, 2 ans que je me considère peut-être un peu comme traducteur, parce que j'ai fait tel et tel livre, et après coup je me dis, ah bah oui, j'ai fait ça, donc je suis sans doute traducteur. Mais il n'y avait aucune volonté explicite. Il y avait la volonté de traduire tel poème, traduire ça pour telle revue, ça pour tel site, et puis on s'attaquer quand même à un moment donné à un livre, un premier, puis un autre, et puis finalement on constitue quelque chose comme un corpus de traducteurs, et là on en vient à être vu par les autres comme un traducteur. C'est pas une revendication. Ça reste une attitude d'éditeur. En tout cas, pour la traduction dans le cadre de l'édition, ça reste une attitude éditoriale dans le sens où on se met en position de passeur, en fait, plus que de traducteur au départ. C'est-à-dire on a des textes qui nous plaisent, bon, bah, il se trouve qu'ils ne sont pas en français, donc si on veut les faire passer au lecteur français, on va les traduire, même si au départ on n'avait pas l'idée de faire ce genre de choses. Donc il y a cette notion-là, en tout cas, sur les textes littéraires, d'être un passeur de contenu, un passeur de texte. Merci. Du coup, moi, quelque chose que j'ai beaucoup entendu, lu aussi à propos de la traduction pragmatique, ce coup-là, c'est il faut se spécialiser. Et des fois, ça va sur des choses très pointues. Donc, par exemple, dire je suis traducteur médical, aujourd'hui, c'est presque plus une spécialisation. Par exemple, je connais une traductrice qui, elle, est spécialisée dans les prothèses du pied. Donc des choses vraiment très 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 pointues. Et à l'inverse, c'est quelque chose que j'ai pas du tout entendu du côté de la traduction littéraire. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ce concept. Est-ce qu'il a une pertinence quelconque de la spécialisation du traducteur littéraire? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça devrait exister si c'est pas le cas? Quelle forme ça peut prendre? Est-ce que ça serait rentable, etc. Sachant qu'aujourd'hui, on avait en plus un peu ce parti pris déjà, puisque voilà, on fait intervenir spécifiquement sur la traduction de poésie, sur la traduction de polar, mais en même temps, vous avez des activités multiples. Donc voilà, donc un peu cette idée, est-ce qu'elle est complètement farfelue? Est-ce qu'elle a un sens? Ouais. C'est ouvert. Moi, je pense qu'il y a certains domaines, de toute façon, qui se spécialisent de plus en plus. Si on traduit du droit, si on traduit de la médecine, si on traduit les disciplines elles-mêmes, aujourd'hui, font appel à des gens de plus en plus spécialisés, que ce soit en droit des affaires, ou que ce soit en médecine du pied, ou que sais-je. Donc si on veut, et on attend des gens qui touchent à ces disciplines, un niveau de compétence et un niveau de spécialisation qui est de plus en plus important. Donc je pense que dans certains domaines de la traduction, il y a une logique. À ce niveau-là. Après, c'est en fonction aussi du bagage de chacun sur un champ plus littéraire et de ses intérêts personnels que ça va se jouer. Voilà. Et puis, ce sera juste ma modeste intervention là-dessus. Moi, je ne porte pas la traduction avec une visée stratégique ou pragmatique, donc
Moi, j'aurais plutôt envie de faire l'éloge de la polyvalence et de l'hétérogénéité et de traduire l'auteur puis un autre parce qu'on aime, on aime aussi l'écart qu'il y a entre ces deux auteurs. On n'a pas envie de refaire la même chose. Donc on se confronte à un autre type de langue. Et traduire Milo d'Angelis, c'était des poèmes très courts, dans une langue assez allusive. Et ensuite basculer la poésie de Sanguinetti, c'était des poèmes très longs, avec des références culturelles extrêmement chargées, un mélange des langues. Donc moi c'est plutôt la bascule qui m'intéresse, le rebond, et comment explorer le contre-pied, comment explorer des facettes différentes d'un même champ, parce qu'il s'agit de poésie. Mais il s'agit quand même déjà de deux langues différentes, et dans ces deux langues, de poètes qui ont des approches langagières vraiment différentes. Alors, c'est curieux parce que moi, je n'ai pas du tout la même lecture que vous, Catherine. On a eu quatre traducteurs aujourd'hui. Sur les quatre, on va dire, trois travaillent dans le domaine culturel. Moi, je suis plus dans le domaine pragmatique. Et sur les trois qui travaillent dans le domaine culturel, on a un traducteur de romans noirs, et pas d'autres types de romans, et pas de poésie, et pas de théâtre, n'est-ce pas une spécialisation ? On a un traducteur de poésie qui ne fait que de la traduction de poésie, et pas d'autres types de littérature. On a une traductrice qui travaille dans le domaine audiovisuel, mais ne fait que du sous-titrage et de la voix-off, elle ne fait ni de doublage, ni d'autres activités. Ce n'est pas de spécialisation, donc au contraire, moi je dirais que les spécialités, elles sont partout, en réalité. Et on se spécialise, je dirais, par défaut et par affinité également. On ne peut pas bien faire, bien maîtriser certaines techniques, je pense notamment par exemple à la traduction poétique. La traduction de la poésie est tellement particulière qu'il est difficile de passer de la traduction poétique, si vous voulez, à d'autres types de traduction. Et puis on le voit bien, quelqu'un qui fait de la traduction poétique, elle ne le fait pas, il ne le fait pas pour gagner sa vie, il le fait pour d'autres intérêts, et dans d'autres buts, et en se donnant d'autres moyens. À titre professionnel, c'est encore différent, je dirais, c'est-à-dire, quand on doit vraiment gagner sa vie en faisant ça, il y a des contraintes qui sont incompatibles avec certaines pratiques de la création. Donc du coup, il faut envisager effectivement toutes les situations. Après, les spécialités, je dirais, moi personnellement par exemple, je me considère généraliste. Il y a deux sortes de spécialisations en réalité. On peut se spécialiser dans une technique, traduction poétique, doublage ou sous-titrage, etc. etc. Ce sont des... Quand on fait du sous-titrage, on peut sous-titrer, on va dire, n'importe quel type de film sur n'importe quelle thématique. Mais la technique du sous-titrage fait qu'on a des outils spécifiques, des techniques spécifiques qu'il faut maîtriser et qu'il faut qu'on se spécialise dans le sous-titrage. Mais après, on traduit toute la panoplie de documents audiovisuels qu'on nous propose. Bon. Dans la traduction pragmatique, on va dire ça comme ça, vous avez la même chose. Et quand on se spécialise dans un domaine, c'est comme la médecine, c'est pareil. C'est une question de degré. Vous avez des traducteurs généralistes qui touchent un peu à tout, jusqu'à un certain niveau. Quand ils sentent qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences pour s'adresser à un public qui connaît beaucoup plus qu'eux dans le domaine, ils ont besoin de passer la main à quelqu'un qui, lui, est capable de communiquer avec ces gens-là parce qu'il possède les compléments cognitifs, les connaissances autres nécessaires pour communiquer avec eux. C'est pour ça qu'il existe, et c'est pour ça aussi que l'exercice de la traduction, je dirais, n'est pas réglementé, parce qu'on a besoin de médecins qui traduisent, on a besoin d'architectes qui traduisent, on a besoin d'ingénieurs qui traduisent. Parce qu'arrivé à un certain niveau, il n'y a qu'eux qui ont ce niveau de compétences pour continuer et pour prendre en main certains types de documents. Donc, voilà. Alors, je vous rassure, on a la même lecture, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. Et quand je parlais de diversité, c'était plutôt au niveau des activités donc d'éditeurs, d'écrivains, voilà. Alors, je vais essayer d'être claire sur la suite. c'est un sujet un peu vaste, donc vous le prendrez par le bout qui vous convient. Donc tout à l'heure, Benoît, vous parliez
de ces poètes qui construisent une langue dans la langue, et de cette idée de traduire l'étrangeté, donc de cette langue particulière. Mais en même temps, dans la traduction, on a aussi l'étrangeté de la langue étrangère qu'on traduit, l'anglais ou l'italien, etc. Donc, je voulais revenir à ce débat peut-être un peu éternel dans la traduction des ciblistes et des sourciers, donc de savoir est-ce qu'on est plutôt du côté de l'auteur, de la langue de l'auteur ou de celle du lecteur, savoir vous un peu comment vous vous situez dans cette idée. Et aussi, du coup, par exemple, sur des références culturelles, donc quels critères vous allez choisir de franciser ou au contraire de rester plutôt du côté de la langue étrangère? Voilà, c'est un peu, cette position-là. Vaste sujet, encore une fois. Ben moi, j'aurais envie de récuser la division entre sourcier et civiliste. Précisément, si on dit que ce qu'il y a à traduire, c'est l'étrangeté. Puisqu'on est forcément sourcier, puisqu'on est attentif à l'étrangeté de la langue originale, c'est ça qu'on cherche à transmettre, donc on est sourcier. Mais en même temps, je soutiens aussi qu'une bonne traduction, c'est une traduction qui se lit à voix haute en langue française et qui est un poème percutant en français en soi. Donc tout le défi est d'être les deux à la fois. On ne peut pas choisir. Faire comme des petits à l'école. Je suis d'accord avec ce que vous m'avez dit. Oui, d'autant plus que parfois, on n'a pas le choix, parce qu'on est confronté à des textes qui sont mal écrits dans la langue de départ. Moi, je sais qu'à l'époque où je traduisais des livres sur la nature ou des livres sur la cuisine, le style dans la langue de départ n'est pas la préoccupation première. Mais ça peut aller très loin, justement, dans l'absence de qualité d'écriture, ou des auteurs qui se croient drôles et qui vont glisser une espèce de calembour vaseux au milieu d'un texte scientifique. Donc parfois, il faut savoir s'éloigner du texte, pas seulement pour être libre en tant que traducteur, mais aussi pour livrer un texte de qualité par rapport à ce qu'on a au départ. Et sinon, oui, c'est un jeu permanent entre... être au plus près de l'esprit de ce qui nous sert de base, voire au-delà de l'esprit, même du rythme. Et quand l'écriture est bonne, de toute façon, à la source, c'est très facile de traduire. Parce qu'on a un vocabulaire riche, on a un style qui est agréable à lire. Quand c'est bon au départ, voilà, et puis, comme disaient les Anglais, après, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que... Mais on essaye d'éviter ça, c'est-à-dire que si c'est mauvais au départ, le traducteur, lui, ne peut pas se permettre de dire « Ah ben, je vous ai fait une traduction pourrie parce que le texte au départ est pourri. » Voilà, donc il faut naviguer comme ça entre la qualité de la source, de ce qu'elle dit, de la manière dont c'est écrit, pour livrer au bout quelque chose qui soit, tant qu'à faire, encore mieux que ce qu'on avait au départ, si c'est possible, et de respecter, ben oui, l'esprit de... du texte duquel on parle. C'est pas toujours évident. Y a pas de réponse absolue, en fait. Il n'y a que des réponses relatives. C'est-à-dire que la dichotomie entre la fidélité au vouloir dire d'un côté et le besoin de rendre, et notamment dans la création littéraire, un produit, il s'agit quand même d'un produit, une œuvre, on va l'appeler œuvre, parce que produit, ça a une connotation un peu commerciale, mais une œuvre qui ait du sens, et qui est, mais du sens pour le destinataire final, nécessite aussi de s'éloigner de... au moins formellement, pour pouvoir s'approcher, je dirais, du destinataire. Donc du coup, effectivement, on est tiraillé en permanence. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de réponse absolue, c'est que chaque situation de communication est différente. Et il faut à chaque fois se poser la question. En réalité, c'est ça. Vous traduisez des œuvres qui sont relativement longues, ou du moins des auteurs qui véhiculent à travers leur œuvre, un style, un regard qui est homogène d'une pièce à une autre. Je pense au poème, mais quand on traduit un auteur d'un roman à un autre, on retrouve des caractéristiques semblables. Bon, c'est la personnalité de chaque auteur.
Moi, je travaille dans un domaine où on ne trouve pas ça, forcément. D'abord, je travaille sur des documents qui sont souvent beaucoup plus courts. Ça va depuis quelques lignes jusqu'à quelques pages. Il arrive aussi parfois de traduire des ouvrages de 500, 600 pages, mais qui ne sont pas forcément des publications, mais qui peuvent être des aides en ligne ou des choses comme ça. Bon. Mais je dirais, à chaque fois, il faut se poser la question et adopter l'approche qui convient, tout simplement. Et quand je parlais des stratégies différentes tout à l'heure, en parlant d'être adaptation, je parlais de ça. C'est-à-dire, on analyse la situation, on se dit, quelle est la stratégie qu'il faut adopter? Est-ce qu'il faut que je sois plus sourcier, pour reprendre le langage de Jean-René Lamiral, plus sourcier, plus cibliste, ou est-ce qu'il faut que je place ma marge de liberté? Est-ce qu'il faut que je respecte, je dirais, que je colle davantage à la forme de l'original? Est-ce qu'il faut que je prenne davantage de liberté? Voilà, il faut prendre la bonne décision à chaque fois en fonction des circonstances qui sont celles de chaque traduction, qui est une situation de communication unique, à part entière. Oui, juste un petit complément, on peut voir un peu quels sont les écueils des deux options. C'est-à-dire que le sourcier, finalement, a trop adhéré au texte original, il y a le risque du gallimacia, c'est-à-dire faire un français complètement imbuvable, qui est illisible. Et le cibliste, il y a eu toute une tradition au 19e et au début du 20e de ce qu'on appelait les belles infidèles. Et là, au contraire, le texte d'origine est une espèce de prétexte à, finalement, le traducteur devient écrit lui-même, bien sûr, mais il en vient à prendre des libertés telles que ça n'a quasiment plus de rapport avec le texte originel. Quoi. Donc la tenue des deux, c'est vraiment, il me semble, la seule fidélité au sens fort. Quoi. Oui, c'est une ligne de crête, oui. Et je vais avancer une idée. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est une idée simple, c'est qu'une langue est véhiculée par toute une culture. Ça veut dire aussi que dans un groupe de gens qui parlent la même langue, ils peuvent avoir plusieurs cultures différentes et du coup plusieurs spécificités dans une même langue. Donc, ma question, c'est quand on traduit d'une langue à une autre, comment faire pour retrouver cette force derrière une langue, mais dans une autre langue, et du coup dans une autre culture? Donc j'ai un exemple, par exemple, il y a quelques écrivains qui sont bilingues ou trilingues, et qui écrivent leur propre traduction. Beckett, par exemple, ou Nabokov. Beckett, par exemple, quand il a traduit en attendant Godot, il a légèrement changé beaucoup de petites références culturelles, beaucoup de petites choses. Alors, lui, il peut se permettre à faire ça, parce que lui, c'est l'écrivain, c'est pas le traducteur. Lui, c'est un traducteur aussi. Mais est-ce que le traducteur a le droit à faire ça aussi quand il n'est pas l'écrivain à l'origine de cette œuvre? Qu'est-ce que l'écrivain peut se permettre dans le but de retrouver la force d'une langue et d'une culture? Je suis désolé, c'est un peu tordu comme question. Ouais. Il n'en a pas le droit, il en a le devoir, le traducteur, de le faire. S'il ne le fait pas, il trahit quelque part, pas le vouloir dire, puisque le vouloir dire, il va le respecter, mais il trahit, il ne respecte pas le destinataire, puisqu'il ne va pas justement lui restituer une partie du message. Et une partie, y compris de la façon, dans le vouloir dire, quand on parle de vouloir dire, il y a aussi le vouloir faire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits par l'auteur d'un texte à un moment donné, d'un document, qui sont des choix dictés par la situation de communication, je l'appelle comme ça, du départ. Beckett l'a bien compris. Dès l'instant où il a modifié la situation de communication, il s'est adressé à d'autres destinataires, il a modifié non pas le message, mais la façon, le support, il a adapté, mais c'est normal. Et c'est une traduction, bien évidemment. Mais le traducteur doit faire exactement la même chose. Là, quelque part, il a montré au traducteur sa peur, parce que c'était lui l'auteur et c'était son œuvre. Donc il ne craignait pas qu'on lui reproche de le faire. Il a montré ce qu'il fallait faire, ni plus ni moins, ce qu'il fallait faire. En revanche, une traduction
fatalement, si vous voulez, est une œuvre différente. Donc, on lui trouvera toujours des manques et des absences. Surtout des absences, voilà. Il y a des choses qui ne passent pas, qu'on n'arrive pas à faire passer, à transmettre. Moi, je compare ça toujours, si vous voulez, c'est comme essayer de mettre dans une boîte carrée une boule ronde. À un moment donné, il y a des angles, il y a des espaces vides. Pourquoi on n'a pas réussi à les remplir? C'est quand même une boule. Ce qui a été dit dans une langue ne peut pas être dit exactement dans l'autre langue, sinon il n'y aurait qu'une langue unique, une culture unique. Et justement, c'est cette diversité, et justement la traduction, ça apporte à l'œuvre qu'on traduit des nuances différentes. Ça l'enrichit, quelque part. Ça l'appauvrit, en même temps qu'elle l'enrichit. Mais je pense que les auteurs sont parfaitement conscients de ça et acceptent ce jeu-là. Car autrement, ils ne pourraient pas justement atteindre un public différent avec une culture différente. Ils ne sont pas idiots, ils savent qu'on ne partage pas tous les mêmes connaissances et les mêmes références. Et donc traduire, c'est quelque part ne pas pouvoir transmettre certains reflets que l'on ressent quand on est natif, mais aussi enrichir avec des reflets nouveaux une œuvre que même l'auteur n'avait pas soupçonné et que parfois il accepte volontiers parce qu'il s'est dit « mais c'est génial, si j'avais pu le faire avec ma langue. » Un cas très concret sur les références culturelles, par exemple, là, j'ai traduit récemment un poème de Nanni Balestrini, et dans ce poème il y avait beaucoup de noms propres liés à l'histoire de l'Italie. Alors il y avait par exemple Berlusconi. Alors Berlusconi, évidemment j'ai laissé Berlusconi, puisqu'en France on connaît Berlusconi. Il y avait des noms à un endroit, je ne les connaissais pas, je connais quand même bien l'Italie, et je ne connaissais pas du tout. J'ai cherché, c'était des noms de cuisiniers. Je ne vais pas laisser dans une traduction française des noms de cuisiniers italiens que personne ne connaît. Donc c'était un peu l'équivalent, j'ai mis Bocuse et Escoffier, voilà, pour remplacer deux noms italiens. Et de fait, si je n'avais pas fait ça, le lecteur, il n'aurait même pas su qu'il s'agissait de cuisiniers, il aurait pu penser que c'était... ça serait resté comme des énigmes. Rebondir juste là-dessus. Les références, vous avez pu les repérer parce que c'était des noms propres, même si vous ne connaissiez pas forcément ces personnes. Mais en tant que traducteur, déjà, on doit jongler avec deux cultures. On n'est jamais omniscient. Je pense qu'on ne connaît jamais déjà sa propre culture entièrement. Donc, il y a toujours ce risque de laisser passer une référence, un intertexte qu'on ne va pas connaître. Donc, je vais faire de manière peut-être même très pratique. Comment vous réduisez ce risque au maximum? Voilà. Ça passe, je pense, déjà par se cultiver en permanence, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que vous avez des conseils de ce côté-là pour éviter un peu ces ratés? Il y en aura forcément, je pense, des ratés. Après, on peut dialoguer avec l'auteur aussi, quand on a la chance de travailler avec un auteur qui est vivant. Ben, on lui écrit, on lui dit voilà. Faire confiance aussi au fait que ben, y a des... quand on tombe sur un passage où on a l'impression de comprendre, mais on a aussi l'impression de ne pas tout comprendre, il ne faut pas hésiter justement à s'arrêter, prendre le temps de chercher, interroger l'auteur, voir avec lui si c'est transposable. Après, si ce n'est pas transposable, il y a plusieurs choix qui peuvent se faire, et ça dépend aussi de la volonté de l'auteur du texte original, parce qu'en tout cas, moi, pour les auteurs que je publie, ils ont quand même un droit de regard sur... qu'est-ce que devient leur œuvre dans la langue de destination. Il y en a certains qui préfèrent qu'on élimine carrément ce qui n'est pas traduisible, plutôt que d'essayer à tout prix de faire comprendre au lecteur qu'est-ce qu'il a voulu dire. Peter May refuse par exemple les notes de bas de page, donc il y a des moments où il faut faire des choix. Parce que lui estime que la note de bas de page, ben, ça interrompt, c'est un peu comme la traduction bilingue, quand on a les deux langues côte à côte, ça casse le rythme de lecture, donc il préfère qu'on efface carrément... certaines références ou certains traits d'humour ou certains jeux de mots. Là, dans le prochain, je sais qu'il y a... Bon, déjà, il y a un personnage qui parle avec un accent écossais coupé au couteau, qui mange ses mots, etc. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir. Et il y a toute une ligne droite de noms drôles, de noms de famille qui sont par eux-mêmes rigolos, mais... ça aussi, ça va être très compliqué à traduire. Donc, est-ce qu'on fait le choix de dire, bon, bah, ce passage-là, il dégage carrément, parce que ça servira à rien de faire quelque chose où ça va être pénible à lire et ça va être moyennement drôle. Voilà. Après,
il y a des équivalences à trouver quand il s'agit, comme dans les ouvrages de Peter Guthridge, de références à des publicités des années 60, à des choses comme ça. Là, on peut essayer de trouver des équivalents, mais ça dépend beaucoup de l'œuvre, ça dépend de l'importance que ça a aussi par rapport au texte, parce qu'il y a certaines choses où c'est l'auteur qui se fait plaisir, mais si ça lui fait plaisir qu'à lui et que c'est pas transposable, souvent ça passe pas le cap de la traduction. Voilà, donc là, une fois encore, c'est comme, est-ce qu'on reste collé au texte ou est-ce qu'on se préoccupe surtout de savoir qui est le lecteur de destination et de coller à ça, ben, on va, en fonction des auteurs, en fonction des textes, en fonction de la difficulté, faire des choix qui parfois sont assez terribles, mais si c'est pour faire des bouquins avec des notes de bas de page de 10 lignes pour dire, alors là, il dit ça parce que en telle année, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, en plus, sur du polar, où, les gens, ils aiment bien lire des choses un peu exotiques pour être confrontés à des manières de vivre, des sociétés différentes de celles à laquelle ils sont confrontés tous les jours. Mais il ne faut pas de l'ethno ni de l'anthropologie. Enfin voilà, il y a une limite à ne pas franchir non plus. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Le traducteur travaille par écrit. Donc effectivement, on dit que ce qui est écrit doit être compris clairement. Pourtant, ça vous est tous arrivé de lire un livre que vous avez aimé passionnément quand vous aviez 12 ans, vous l'avez repris à 18 ans, et hop, c'était pas la même chose. Vous avez fait une autre lecture. En fait, dans le sens, je reviens à ce que je vous ai dit ce matin, il y a ce qui est écrit, ce que vous apportez. Et ce que vous apportez est différent pour chaque personne qui m'écoute et pour chaque personne qui lit. Il n'y a pas une lecture, il y a des lectures. Donc forcément, il y a des traductions. Il ne peut y avoir que des lectures. Et c'est ça qui est... On parlait de la poésie tout à l'heure en aparté, sur le fait que, pour moi, concrètement par exemple, la traduction poétique devrait être... C'est vraiment le champ où pourrait s'exprimer le plus... De façon la plus exemplaire, je dirais, la pluralité des voix et la pluralité des lectures et la pluralité, je dirais, d'interprétation, quelque part, puisque une traduction est une interprétation dans le sens artistique, de l'interprète qui apporte quelque chose à... Voilà. De la même façon que vous pouvez avoir des interprètes qui chantent une même chanson de façon différente, qui apportent chacun un regard, une facette, une interprétation qui est peut-être pas celle qui vous convient, qui vous plaît, mais qui peut-être apporte du nouveau par rapport à la version originale, si on peut dire. Mais de la même façon, vous pouvez avoir des traductions d'un même document. Et je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Beckett ou Ibsen qui disait qu'effectivement, il avait découvert beaucoup de choses en lisant les critiques de ses œuvres, quoi. Parce qu'il n'avait pas imaginé que ça pouvait prendre des sens comme ça, ou des interprétations comme ça. Chacun y apporte des choses différentes. Quand on a des enseignants à l'université qui vous parlent d'une œuvre que vous avez lue et qui vous parlent de choses complètement différentes, c'est parce qu'ils font le lien peut-être avec des références et avec que vous n'aviez pas vu. Donc ils apportent, grâce à des connaissances extérieures, une lecture différente. Bon, mais comme c'est loi de vie, c'est-à-dire comme quand, chaque fois qu'un auteur écrit une œuvre, elle ne lui appartient plus. Elle appartient à ce moment-là à la communauté, et il le sait. Et il sait que chacun va avoir un regard différent. Et il reçoit des courriers, comme le traducteur aussi, hein, avec parfois, y compris même des critiques. Mais pourquoi vous avez écrit ça? Pourquoi comme ça? Mais pourquoi est-ce que... Voilà. Mais pourquoi? Parce que chacun a une lecture. Donc le traducteur a le droit, je dirais, d'avoir sa lecture et de prendre le risque, sinon on ne traduirait pas, de la défendre grâce à une traduction. Alors, une traduction n'est pas parfaite, je l'ai déjà dit. Elle évolue en permanence. Elle peut s'améliorer. Le propre traducteur, heureusement, peut aussi rééditer ses traductions et les corriger, parce que non seulement il a compris certaines choses après coup, mais parce qu'il a un regard aussi différent sur certaines choses qu'il a traduites. Parce que la compréhension s'alimente en permanence, justement, de ce que chacun apporte. On dit aussi d'ailleurs qu'il faudrait retraduire tous les 50 ans sur la littérature. Pardon. C'est parfait. Ouais. Bah, ça me fait penser à ça parce que récemment, j'ai relu un classique en anglais parce que ma fille au collège est bientôt.
plutôt avoir à le lire, qui est 1984 d'Orwell. Donc je l'ai lu en anglais pour la première fois de ma vie cette année, et j'ai lu ce qui est publié en folio depuis 50 ans. Et c'est peut-être que pour les années 50 ça allait, mais aujourd'hui, mettre ça entre les mains de jeunes qui ont une vision justement de l'information, du contrôle, enfin de la société qui n'a strictement rien à voir. Alors, moi ce que j'admire, c'est la manière dont la traductrice de l'époque a créé des noms qui, justement, dans le roman ont encore une signification bonne aujourd'hui, et tout le travail sur le langage, etc. Mais après, le style de l'écriture, il y a des erreurs de traduction monumentales en plus. Donc, il y a un besoin comme ça de réactualiser aussi, je pense, par rapport au lectorat. Pas d'appauvrir, pas de dire « Ah, on va parler jeune, on va faire ceci, on va faire cela, parce que maintenant, il faudrait changer telle ou telle chose. » Mais au plan du rythme, au plan de ce qu'on se permettait de faire aussi à une certaine époque en traduisant, et jusqu'où on n'allait pas trop loin parce que ben, y avait peut-être des problèmes de bienséance ou que sais-je. Voilà, et il y a ce besoin-là aussi, je pense, sur, en tout cas pour les œuvres majeures. Il y a Actes Sud, il n'y a pas longtemps, là, qui a réentamé la publication de Tolstoï entièrement retraduit. C'est 10 ans de boulot qui s'annonce. Mais bon, ma mère qui plus toute jeune, m'a dit, entre ce que j'ai lu moi quand j'avais 20 ans et la traduction d'aujourd'hui, j'ai même pas l'impression de lire les mêmes bouquins quasiment. Quoi. Voilà, ça. Donc il y a aussi ce côté-là, et il y a le moment où on traduit qui va avoir une influence énorme sur le traducteur. C'est-à-dire le traducteur, la traduction, elle a le reflet aussi d'une époque et d'une manière d'écrire et de ce genre de choses. Ben, je crois que c'est Claude Mankiewicz qui retraduit ouais, pour les noms propres, je suis qui retraduit pour Actes Sud toute l'œuvre de Tolstoï, et donc il était à une table ronde à Paris il n'y a pas longtemps, et en fait il expliquait que ils avaient demandé les bourses du CNL, du Centre National du Livre pour les traductions, qui avaient été refusées parce qu'on considérait que les traductions actuelles de Tolstoï étaient tout à fait convenables. Et que, ouais. Oui, justement, sur la temporalité, c'est pour savoir si on peut avoir une classique dans la traduction, le même titre qu'une classique de Tolstoï, c'est la guerre et la paix, c'est une classique. Mais est-ce qu'on peut avoir une traduction qui est une classique au même titre? Parce que vous avez bien dit que une œuvre, dès que c'est publié, dès que ça devient quelque chose qui appartient à une communauté. C'est plus la propriété de l'auteur. Sauf qu'il y a quand même une culte de l'écrivain, de l'auteur. Ça, c'est le Macbeth de Shakespeare. Moi, je ne peux pas réécrire Macbeth. Si quelqu'un me dit, mais tu fais quoi aujourd'hui? Bah, j'écris Macbeth en anglais. Je n'ai pas le droit, tu ne peux pas faire ça. Ça a déjà été fait par Shakespeare, il a fait ça. Mais si je l'écrivais en français, j'ai le droit. Et j'ai même le droit, avec un copain quelques années plus tard, de le refaire. Pourquoi avec les traductions, on laisse le droit à une traduction de vieillir, mais avec une œuvre originale, ça ne veille pas. Il faut le garder tel qu'il est. C'est pas tout à fait vrai quand même, parce que dans chaque langue il y a des traditions de réécriture. Oui. Si on prend le cas du Faust par exemple, il y a un Faust originaire, et puis il y a la version de Leno, et puis interprétation. C'est pas Ah ben c'est pas de la traduction, évidemment, on va pas traduire dans sa propre langue. Oui. Mais il y a quand même, après il y a bien sûr la question du vieillissement d'une traduction, mais il y a aussi des traductions qui restent parce qu'elles sont d'une grande beauté. Je ne sais pas, Chateaubriand a traduit Milton, Baudelaire a traduit Edgar Poe, et on continue de lire les traductions de Chateaubriand et de Baudelaire parce qu'elles sont magnifiques. Alors bien sûr, dans le vocabulaire, il... Non, mais on peut dire, il y a des erreurs épouvantables, mais ça a un intérêt littéraire maintenu, ce qui n'empêche nullement qu'il soit important de retraduire les mêmes œuvres aujourd'hui et d'en donner en effet une toute autre version. Ma
nombre de thèmes qui sont traités, c'est-à-dire il y a des thèmes qui, dans la perception qu'on en a au sein d'une société, vont évoluer. Moi, je parlais de 1984 tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, justement, on perçoit le contrôle social, la surveillance, enfin, on parle énormément de ces choses en ce moment, et les gens en ont une perception différente. Et je pense aussi qu'il y a une connaissance qui évolue de la société d'origine aussi du texte. C'est-à-dire qu'on peut trouver des excuses à quelqu'un qui a traduit dans les années 30, 40, 50 un texte anglais parce qu'il n'avait peut-être même pas forcément mis les pieds en Angleterre et qu'il ne savait pas forcément aussi quels étaient les usages courants du langage, des expressions toutes faites, les idiomes, etc. Et quand en 1984, alors qu'on explique clairement qu'ils se battent contre l'Eurasie, le personnage principal boit son thé dans une tasse en porcelaine, enfin dans une tasse fabriquée en Chine, alors que c'est China, ça désigne la porcelaine. Enfin, c'est des choses comme ça qui, même si c'est du détail, par rapport à ce qui est dit dans le bouquin, devient une incohérence. Parce que, Donc, et c'est lié non pas à l'ignorance peut-être de la personne qui a traduite, mais à la méconnaissance d'une culture et du langage de tous les jours, en fait. Et aussi, je pense qu'il y a certains textes qui s'y prêtent et pas d'autres. 1984, c'est un texte qui a encore une certaine modernité. Après, il y a des grands classiques. C'est pas forcément la peine de revenir dessus parce que ce qui y est dit reste vrai et reste actuel, même dans sa forme d'origine. Après, il y a peut-être d'autres ouvrages qui ont besoin d'être un petit peu revivifiés. C'est pas forcément valable systématiquement pour tous les ouvrages et tous les textes. Après, il ne faut pas oublier que le culte de l'auteur est quelque chose de contemporain, pas forcément de moderne, mais de contemporain. Le plagiat, on parlait de Faust par exemple, mais le plagiat au XVIe siècle ou au XVIIe siècle était quelque chose de très répandu et même très bien vu. Plagier, c'était vraiment reprendre l'histoire pour l'améliorer, parce qu'on était plus talentueux pour le faire. Vous avez entendu parler de Don Juan, bien évidemment. Ben, Don Juan, il s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce que le premier créateur était un Espagnol et l'histoire était, ça se basait en Espagne, Tirso de Molina. Donc du coup, tout ça était normal à l'époque, je dirais, et on concevait qu'une œuvre était valable pour ce qu'elle était. On sait que Molière était condamné à écrire en permanence parce que chaque fois qu'une pièce de théâtre était représentée, ça y est, il ne l'appartenait plus, et puis donc du coup, il fallait en permanence se renouveler. Shakespeare, c'était la même chose. Hein. Donc une fois que c'était publié, et ça ne l'appartenait plus. Et il n'avait même pas, le droit d'auteur n'existait pas, bien évidemment, il ne touchait pas des droits là-dessus, et puis les gens avaient le droit de se l'approprier, de se l'approprier. Et le culte de l'auteur, du droit d'auteur, du respect de l'œuvre, etc., comme quelque chose d'immuable, c'est quelque chose de très contemporain, c'est quelque chose de très récent. Et autrefois, effectivement, on en est arrivé à la littérature, on va dire, écrite, par des histoires qui se transmettaient oralement. Et donc du coup, la transmission orale était modification orale, obligatoirement, parce qu'il y en avait toujours qui en ajoutaient, qui en supprimaient, qui... Voilà, on ne respectait pas forcément l'œuvre. Le culte de l'œuvre, le culte de l'auteur est quelque chose de très contemporain. Donc, moi je dirais aussi que, effectivement, tout vieillit et les classiques ont ça d'intéressant, qui sont le reflet d'une culture et d'un parler d'un moment, de l'histoire, d'un pays et d'un peuple. D'ailleurs, quand on traduit les classiques, on est obligé, la plupart du temps, pour les rendre compréhensibles, d'ajouter plein de notes, tout simplement parce que, par exemple, une référence, un jeu de mots qui faisait rire à l'époque, faisait rire, parce qu'on faisait le lien avec une actualité de l'époque, avec un personnage connu de l'époque. Et c'est parce qu'on parlait de lui que oh, ça faisait rire, parce que les gens faisaient le lien. Ils comprenaient. Maintenant, on ne comprend plus ça. On ne sait pas qui était le personnage, même s'il est cité nommément. On ne sait pas pourquoi il faisait rire. On ne sait pas quelle était l'actualité. Donc vous comprenez, il nous manque tous les compléments cognitifs qui nous permettent de... qui permettent, si vous voulez, à l'œuvre de produire chez nous les mêmes effets qu'elle produisait il y a 4 ou 5 siècles. Donc forcément, il faut traduire le temps fait vieillir les choses. Et les œuvres, je dirais, parfois, on voit bien hein, qu'elles sont rééditées
avec des adaptations qui les rendent plus facilement lisibles à un lectorat actuel, voire même à un lectorat d'enfant, voire même pour beaucoup de raisons. Tout ça est légitime à mes yeux, et ce n'est pas forcément manquer de respect à l'œuvre ni à l'auteur. C'est tout simplement perpétuer, au contraire, le rendre hommage en le rendant accessible à travers les siècles et à travers le temps à un public différent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe les traductions intralinguistiques, par exemple. Je peux vous raconter qu'il y a des... Vous le comprenez très, très facilement, dans les spectacles vivants à l'heure actuelle, notamment le théâtre, mais également, surtout, les spectacles d'humoristes ou autres, les Québécois qui veulent monter un spectacle en France doivent toujours se poser la question, est-ce que tel que c'est écrit et représenté en version québécoise va produire les mêmes effets en France. Si ce n'est pas le cas, il faut l'adapter. Et on appelle ça une traduction intralinguistique, parce que c'est une traduction. Alors parfois, il faut changer des effets, qui produisent donc voilà, qui provoquent le rire, qui sont les mécanismes de l'humour ne sont pas les mêmes. Parfois, il faut changer des références culturelles. Parfois, il faut apporter des choses. Il faut se nourrir de l'actualité. Qui entoure la communauté linguistique du moment, etc. Bon, bref, tout ça existe, c'est connu. Les traductions dans le temps, donc notamment pour les classiques, ça existe aussi. Les rétraductions, traductions, retraductions, etc., etc. Je me rappelle d'une année où le Cervantes était au programme, il y avait donc le Quichotte, obligatoirement, de la grecque. Alors, programme de la grecque, ça veut dire tous les éditeurs sortent une édition. En plus, oui. En plus, ouvrage, je dirais, classique, donc domaine public, on a le droit, on n'a pas besoin de... Donc, du coup, voilà. Et je me rappelle parfaitement qu'il y a eu deux éditions la même année qui sont sorties, parce qu'il faut le sortir donc, au moment où les étudiants achètent, ceux qui préparent la grecque, donc qui achètent les livres. Et donc, il y avait deux éditions qui étaient, dont l'optique était diamétralement opposée. Il y en avait une qui avait été très adaptée, je dirais, à un français contemporain, parce qu'il voulait le rendre lisible par un public non averti. Puis il y en avait une autre qui était carrément visée les étudiants en agrès. Et vous aviez deux lignes de texte, et tout le reste, c'était des notes. Voilà. Mais parce qu'on avait besoin, justement, de tout ce complément culturel pour passer l'agrès. Vous comprenez ? Bon, mais ça visait des publics complètement différents. Toutes les deux étaient des bonnes traductions, parce que la question s'est posée, quelle est la bonne traduction ? Il n'y a pas de bonne traduction. Elles visent des publics différents. Ils ont des objectifs différents. Donc forcément, ce sont deux lectures différentes de la même œuvre. Donc c'est parfait, elles sont légitimes. Pour moi, ça ne pose strictement aucun problème, au contraire. Si on pouvait en avoir davantage, ça donnerait davantage d'éléments pour débattre et comparer. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, s'il y a des gens qui ont des questions. Non, moi j'ai une question. Tout à l'heure, je me demande quel est votre plaisir en tant que traducteur. Là où est-ce que vous voulez, voilà, le plus... parce que j'ai entendu dire, bon, j'ai un peu commencé par hasard, j'ai lu un livre, et puis il n'était pas traduit, donc je suis un passeur. Mais après, quand on continue... Est-ce que c'est l'amour de la langue que vous traduisez ? Est-ce que c'est, voilà, où est votre plaisir à chacun dans cette entreprise dans laquelle vous vous attardez ? Il y a beaucoup de choses mêlées, en fait. Il y a le plaisir de traduire du texte, il y a le plaisir de le finir aussi, parce que quand on arrive au bout, c'est aussi un grand plaisir. Il y a le plaisir de voir que ce qu'on a fait est reçu et apprécié aussi bien par ceux avec qui on travaille que par les lecteurs. Il y a le plaisir de faire connaître un auteur dans une langue qui n'est pas la sienne. Heureusement, il y a plus de plaisir que de déplaisir, parce qu'il y en a aussi. C'est un métier qui n'est pas forcément enthousiasmant tous les jours. Hein, quand on passe 7-8 heures par jour à traduire... À certains moments dans la journée, on a un peu envie de tout balancer par la fenêtre, mais heureusement, il y a, oui, la satisfaction aussi de travailler sur la longueur et d'être capable d'arriver au bout de quelque chose et d'en sortir ce que nous, on aurait aimé lire si on était tombé sur la traduction française de l'ouvrage.
Voilà, moi, je traduis les livres dans cette optique-là. Je me dis, fais déjà des livres que toi, tu aurais eu envie de lire. C'est un bon départ. Ouais, moi déjà, je suis tout à fait d'accord avec cette conclusion, c'est la même chose. Et sinon, plus précisément, le plaisir, pour la traduction de poésie, je le localise à deux endroits. Il y a sur des unités très courtes, ce qui relève de quand il y a un point de difficulté, quelque chose de particulièrement compliqué, et tout d'un coup, il y a une trouvaille en langue française, et on se dit « Ah là, ça fonctionne, voilà, on a un bel équivalent, ou on a une belle réinvention très différente de l'original, on se dit que c'est... » Voilà, donc c'est des espèces de moments comme ça, ponctuels de joie, où on se dit on a fait à tel endroit la chose qu'il y avait à trouver. Quoi. Et puis, sinon, une traduction, c'est une suite de centaines d'opérations, pas toutes joyeuses ou forcément très réussies, mais à la fin, il y a quand même le moment où on relit la chose et on se dit, ça y est, là, c'est en place, ça fonctionne en langue française, le truc est tenu et on voit plus de moments où ça grince, on voit plus de difficultés, on a une impression de fluidité, on a une impression de texte français qui tient la route, et là, c'est une joie de se dire, bon, ben, on peut le donner à lire, on peut arrêter, passer à autre chose. Personnellement, j'aime beaucoup la traduction créative, donc j'ai une attirance particulière pour toutes les formes, je dirais, de traduction créative. Et ce qui me stimule réellement, c'est le défi, la difficulté. Donc là où c'est difficile, naturellement, je suis attiré. C'est incroyable, hein, parce qu'on a l'impression que c'est un peu du masochisme. Pas du tout. C'est le défi, relever des défis. Et je dirais que je trouve un certain plaisir dans une pratique, finalement, qui est très éloignée de la traduction éditoriale, qui est le suivant. Je pense que je ne me serais jamais intéressé à beaucoup de domaines si ce n'était pas à cause de la traduction. J'ai traduit dans des domaines et j'ai dû m'intéresser à des sujets, je dirais, alors, je ne sais pas, j'ai traduit des pour un fabricant, non, pour des travaux publics, par exemple, j'ai traduit pour un traducteur, un fabricant de, on appelle ça des tunneliers, ou des tops. Ce sont des machines avec lesquelles on construit des galeries souterraines pour faire des métros. Bon, elles sont très particulières. Vous voyez, c'est quelque chose, en fait, d'abord, c'est technique, c'est des machines, je ne suis pas forcément naturellement attiré par ça, c'est quand même très, très intéressant. J'ai traduit dans le domaine de la télédétection spatiale. Je crois que naturellement, je ne me serais jamais orienté vers ça. Eh bien, c'est quand même très intéressant, croyez-moi, c'est très, très intéressant. Et finalement, on s'enrichit en permanence, alors à condition, bien évidemment, d'être curieux et d'aimer s'enrichir. Mais... J'ai écrit des types de documents, j'ai été obligé, on va dire, par le métier, de m'intéresser à l'écriture de certains types de documents auxquels je ne serais jamais intéressé naturellement. Donc la traduction est pour moi l'obligation de s'ouvrir en permanence à des choses... Alors, il y a aussi des moments de détresse absolue, hein. Tout n'est pas plaisir. Mais ce qui nous fait tenir dans la durée, je trouve effectivement, parce que ce n'est pas forcément toujours bien rémunéré, ce n'est pas forcément toujours, je dirais, la question financière ou le confort, la reconnaissance ou autre, ce n'est pas forcément ça qui nous attire. Donc il faut obligatoirement, pour durer, trouver des sources de plaisir qui permettent justement de trouver toujours un intérêt à le faire. Et ça peut être égoïste, mais ça peut être, voilà, tout simplement un enrichissement permanent, personnel. Et le défi, pour moi, hein, de relever le défi, de faire certaines choses. Et le goût, mais ça, je crois que c'est propre à tous les traducteurs, du travail bien fait, de ne pas bâcler les choses, ce qui est toujours un défi aussi. Donc, voilà, en permanence, livrer quelque chose qui soit... sinon reconnu par les autres, au moins par soi-même. Et comme ça, son propre amour propre, on va dire, est satisfait. Alors moi, j'ai deux questions. Déjà, si un lecteur manifeste, fait remarquer une faute essentielle dans la traduction, ça se passe comment après? C'est mis à la main?
allez hop, on va sortir une nouvelle édition. Non, c'est un métier, l'édition en général, hein, parce qu'il n'y a pas que le traducteur qui peut se tromper quand on fait un bouquin, il y a tous ceux qui touchent au livre peuvent introduire une bêtise dedans. C'est un métier où on apprend à vivre avec ses erreurs, hein, jusqu'à ce que les 3000 ou 5000 exemplaires soient vendus. Et là, enfin, on reçoit un mail de l'éditorial qui nous dit « on réimprime ». Donc c'est le moment de corriger s'il y a des bêtises. Moi, personnellement, je ne corrige que les bêtises. Il y en a certains qui vont revenir sur certains passages, qui vont réécrire certaines choses. Moi, j'en suis pas capable. Enfin, quand c'est fini, quoi. Et après, surtout quand on le relit, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça absolument pitoyable, ce que j'écris la plupart du temps, à la relecture. Donc il faut surtout pas que je relise, parce que sinon, je refais tout. Enfin, donc quand c'est terminé, je veux même plus... je relis. C'est fini après. Voilà. Bah, concernant l'éditorial, c'est le problème de la coquille en général. Voilà, souvent les livres sortent, puis à la lecture, on se rend compte qu'à tel moment, le correcteur n'a pas vu telle chose, ou il y a un problème de folio. Donc là, c'est un peu du même ordre. En effet, il faut attendre la réédition, on ne pilonne pas. Après, concernant la traduction de poésie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment des traducteurs qui vivent toute leur vie avec une œuvre. Et du coup, je pense, pour prendre un cas précis, par exemple, la traduction de Jenny Rondal, c'est d'abord sorti au fil des ans par recueil, et ensuite, il y a eu une grosse anthologie en poésie Gallimard, 15-20 ans après, et là, pendant ce temps-là, le traducteur, il avait continué de travailler, et donc il nous livre les nouvelles versions des poèmes qu'il avait eues 15 ans avant dans les livres, et moi, quand j'ai lu cette anthologie, je trouve ça formidable, parce que les poèmes étaient nettement meilleurs. Je vous trouve un peu consensuel sur la question de la multiplicité des traductions. Il y a aussi des mauvaises traductions, il faut quand même le dire. Et une même traduction, dans le temps, peut vraiment gagner. Et c'est ça qui est assez formidable quand on a la chance de ressortir un livre, de pouvoir affiner les choses. Au-delà de la question de l'erreur, c'est pas juste la question de l'erreur, c'est vraiment la question de l'imprégnation, de la qualité sensible. Je n'ai rien à ajouter là. Vous pouvez passer à la deuxième question. Et donc, la deuxième question sera, on a parlé tout au long de la journée de la traduction, le traducteur et les écrivains. Donc, je voudrais savoir si vous vous désignez comme un écrivain, enfin, d'un point de vue d'un traducteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous dise, de toute façon, ce n'est traducteur, c'est pas un écrivain. Je vais faire une réponse très rapide, puis je passe la main quand même, parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire que moi. D'un point de vue du droit, le traducteur est un auteur. On l'appelle auteur secondaire, mais c'est un auteur. Alors, j'avais commencé par ça. On signe un contrat qui est un contrat. Alors on touche moins que l'auteur. Mais on est considéré comme auteur, même si la fonction qu'on a, parce que on produit un texte original en français, malgré tout. Donc on est considéré comme auteur. Après, savoir si c'est mieux, moins bien, si on est là et l'auteur est là. Enfin, ça, c'est. Mais là, les mots les années passent. Les mots d'utilisation, c'est pas le même, c'était écrivain. On est auteur de cette traduction. Écrivain. Oui. Non, comme quand ce matin on m'a posé la question de savoir si j'allais me mettre à écrire des polars, non, parce que c'est pas le même métier non plus, ça c'est certain. Être écrivain, c'est une recherche, une invention qu'on retrouve un peu quand on doit traduire, puisqu'on a parlé tout à l'heure des différences, des adaptations, etc. Il faut naviguer entre ça, mais. La création ex nihilo de quelque chose. Alors il y a des traducteurs qui sont écrivains aussi, mais pour moi c'est pas la même chose. Après il n'y a pas de notion de hiérarchie. Il y a des très bons traducteurs et il y a des très mauvais écrivains. Donc ça c'est. Ça va vraiment dépendre de l'individu, je pense. Moi, je pense que la traduction, je dirais que c'est vraiment une pratique d'écriture à part entière. Et pour autant, je ne qualifierais pas le traducteur d'écrivain. C'est sur un fil comme ça, mais entre une activité, un
substantif qui correspond à définir une identité, c'est pas tout à fait la, la même chose. Merci. On va jouer sur les mots. C'est peut-être un professionnel de l'écriture, tout simplement, mais différent. Mais ce qui est évident, c'est que c'est un professionnel de l'écriture dès l'instant où il passe tout son temps à écrire. Cette journée, donc on remercie beaucoup de votre présence, de vos efforts pour nous répondre à des questions pas toujours faciles. Voilà, et puis sinon, juste un petit rappel, donc vendredi prochain à 18h, on reçoit Fanny Wallendorf à la librairie des Frères Flory, de la Colombette, voilà, pour la deuxième journée de traduction. Merci et bonne soirée.